Bien joué, Spiro. Grâce aux 14 talismans, ton carnet peut briser le verrou de la porte et tu pourras affronter Gulp. Es-tu prêt? Tu dois sauter dans ce trou pour atteindre la cachette de Ripto et Gulp. Si tu veux, je te donnerai un coup de main. J'ai apprivoisé quelques ptérodactyles du pays maudit Skelos. Ils lâcheront des objets qui te serviront à combattre Gulp. Et salut à toutes et à tous, c'est Riveless. Je vous retrouve pour la suite de Spyro 2 sur PS1. Et comme vous pouvez le constater, il va être temps d'affronter Gulp. Et ce qui est pratique quand on recharge une partie, c'est qu'on est... Et que si on a tous les talismans, on est téléporté automatiquement devant notre cher ami qui est ici. Tu dois sauter dans ce trou pour atteindre la cachette de... Oui, non mais c'est bon. C'est bon, Elora. J'ai parfaitement compris le principe et tout. Et ben, c'est bon. Attendez, petit point sur le carnet quand même. La forêt d'été, c'est bon, on n'en parle plus, ça c'est clair, net et précis. La colline de faille, je vais avoir besoin du dernier pouvoir qu'on obtient du coup à la zone suivante. Et pareil, pour finir, Oasis Rombragé, et j'ai deux circuits à faire. Que je ferai plus tard, parce que je ne suis pas un grand fan des circuits. Et surtout, j'ai envie d'aller péter la figure à une certaine bestiole. Gulp! Gulp, finalement Avalar nous appartient. Tu mérites une petite récompense. Gulp, qu'est-ce qu'il y a? Ah, la fée! La voilà. Ah, tu as aussi ma cape. Tu commences sérieusement à me taper sur le système, dragon! Adieu, espèce de barbecue volant! À table! Gulp, écrase-le, je te promets un buffet de fées à volonté! Je sens que je vais bien coller! Ouh là là, il est furax! Bon. Hey, il est équipé de trucs qu'il avait pas dans la cinématique. Bon, voyez l'air de jeu. Bon. Non. Et forcément, vous imaginez que le gros machin qu'il est, on peut pas le charger. Viens là, toi. Viens là. Viens là. Ouf! Je crois que l'explosion du baril m'a touché. Ah, merde. J'aurais dû souffler alors qu'il... C'est con parce que... Non! Hé mec! Évidemment, on peut pas cumuler tous les objets... sur l'art de combat. Ouah, purée, je pensais que je pouvais souffler deux fois. Oh là! J'aimerais bien un petit mouton.
Allez, des moutons, s'il vous plaît. Un poulet. Oh non, il n'a pas lâché de papillon parce que c'est pas moi qui l'ai écrasé. En tout cas, il cherche qu'à me charger, donc c'est cool. Ah, je me suis foiré en plus. Pardon, pardon, je m'excuse. Oula, comment j'ai fait? Ah, ouf, il m'a pas loupé. Je suis vraiment pas doué, je suis désolé. C'est qu'il a beaucoup de PV en plus. Allez, plus qu'une fois. Eh ben, qu'est-ce que j'aurais pris cher? Not today. Ben, c'était pas sans mal. Entourant le château. Le château était libéré et Ripto a disparu sans laisser de traces. Et grâce à ton aide, les habitants d'Avalar s'entendent de nouveau à merveille. Pour te remercier de tout ce que tu as fait pour Avalar et parce que tu rêves tant de partir en vacances, on a voulu te faire plaisir. Ce n'est pas grand-chose, mais on espère que ça te plaira. Waouh, c'est super! Tu restes un peu? Non. J'aimerais bien, mais je dois aller voir le professeur dans la toundra hivernale. Il est encore en train de réparer le super portail pour qu'on puisse te renvoyer chez toi. Oh, c'est intéressant. Je vais seulement m'allonger un instant, profiter du soleil. Hein? Où est partie Elora? Je ferais mieux de la suivre. Je pense finalement savoir comment accéder au monde du dragon à travers le super portail. Le cristal magique nous donnera un coup de pouce. Encore quelques petits calculs pour le configurer. Je crois que ça y est. Excellent! Tout est prêt maintenant. Il nous faudra davantage de boules. Mais grâce au cristal, le super portail devrait fonctionner. Vite! J'ai persuadé le gros bateau de gros sous de me vendre quelques bombes. Vite! Le cristal magique! N'y pense même pas, rat de bibliothèque, où tu vas devenir le tas de sang le plus érudit du monde! Ah! C'est exactement ce qu'il me faut pour mon nouveau sceptre! Chasseur! Fais quelque chose! Vite! Hé, toi! Rends-le tout de suite! Bah, j'ai essayé, quoi. Bande de larves! Quand je vous aurai anéanti à l'aide de mon nouveau sceptre, je renommerai cet endroit Riptonia!
Eh oui, il est toujours là, le bougre. Punaise! Spiro, Ripto est toujours en vie et nous empêche d'accéder au château. Et par-dessus le marché, il a volé notre cristal magique pour le super portail. Oh mon dieu, c'est terrible! Si tu rassembles un nombre suffisant de boules, tu pourras lui reprendre le cristal magique et nous t'enverrons au rivage du dragon. Normalement, il n'y a pas de joyau derrière, non? Ah, comme c'est sympathique! Écoute, Spiro, la situation est la suivante. Il reste une dernière faculté que je peux t'enseigner. Et comme c'est la plus précieuse, elle n'est pas donnée. Et si je dis non? Tu ne sembles pas d'humeur à faire des folies, Spiro. Mais si tu changes d'avis, tu me trouveras ici. Écoute, Spiro. Bon ben, de toute façon, je n'ai pas le choix. Chargé de front, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de sauter et d'appuyer sur la touche triangle. Tu verras que la charge de front te permettra d'effectuer certaines actions impossibles auparavant. N'oublie pas, saute et appuie sur la touche triangle. Bonne chance. Et voilà, il m'a encore saigné. Tu verras que la charge de... Et ça permet de notamment, pour les cailloux, bim! Et voilà, c'est le dernier pouvoir à récupérer. C'est pour ça, là, les sortes de... comment... Dans l'oasis... Ouais, l'oasis abrangée, il y avait des caisses... Enfin, des caisses... Je vais carrément dire des coffres forts avec une cible sur le dessus. Je me souviens, la première fois... Quand j'ai été confronté à ça, je me suis dit, mais et si on chargeait par le dessus? Mais non, il doit bien y avoir un truc, je sais pas. Et non, en fait, faut avoir le dernier pouvoir. Oh. Ah. C'est un coup à l'oublier, ça. Et ouais, il y avait une boule dedans. Eh bien, c'est déjà rassurant de voir le nombre de boules que tu as réussi à rassembler. Mon portail ultra-moderne t'amènera au temple des nuages. Je vois quel niveau c'est celui-là. Quelle déception! Mon super portail était déjà tellement avancé. Ah. Bon, en tout cas, ça, le temple des nuages... Ouais, il est sympa, mais là, je sais pas. J'ai déjà un peu visité la toundra hivernale. Et je me demande pas, d'ailleurs, si je vais pas vous faire languir et retourner dans les plaines automnales pour essayer de finir 2-3 niveaux maintenant que j'ai le dernier pouvoir. Oh pardon, je l'ai pas fait exprès, je le jure. Ah bah, il y a une boule là-haut. T'es encore là pour me soutirer des sous? Allez, un dernier circuit, Spiro. Ce n'est pas aussi cher que ça, tu sais. Oui, 200, mais quand même. Tu as fait le bon choix. Parie qu'un dragon rapide comme toi gagnera vite de l'argent. Et comme tous les circuits, enfin tous, oui, il me semble que tous n'ont qu'une seule quête spéciale. Donc il n'y a qu'une boule à récupérer.
Ben, j'ai bien fait de repasser par là. J'avais un doute si j'avais bien récupéré tous les joyaux sur le passage. Maintenant, j'en ai la certitude. J'aime bien les joyaux qui faisaient un petit chemin. Eh bien, Spyro, tu as un nombre suffisant de boules. La défaite de Ripto est proche. Bonne chance, il n'y a que cette porte qui vous sépare. Oui, sauf que... Non. J'ai pas envie de l'affronter maintenant. Non. Alors, il y a combien de joyaux, là? 2 et 2, 4. Et 3, 7. Non, c'est parce que j'ai pas envie de les récupérer, parce que j'ai peur que... Mais non! J'ai peur que si je les récupère, ça... Et que j'aille trop loin, je déclenche l'aller vers le boss de fin. Alors que... Non, j'ai pas tellement envie. C'est pas dans mes priorités. Et puis zut, c'est pas la forêt d'été que je voulais aller. Pas grave, je retourne à la toundra hivernale. Je vais finir de récupérer quelques joyaux. Puis je retournerai. Oui, je retournerai dans les plaines automnales. La forêt d'été... Limite, non, je ne veux plus la voir. C'est clair, net et définitif. Oh, je viens de penser à un truc. Tant pis. je pense à plusieurs choses en même temps. J'essaie de parler et il y a tout qui déconne. Mais décidément, il n'y a aucun portail de dispo ici. Je vois que tu as appris la valeur des boules, Spyro. Ce sacré portail devrait fonctionner parfaitement grâce à ton impressionnante collection. Ah oui, je connais la valeur des boules. Et si tu savais à quel point ma collection est impressionnante. Métropolis, très bien. Qu'est-ce que tu vas me dire de beau, que t'es triste? Nous comptons sur toi, Spyro, et je fais de mon mieux pour remettre en marche le super portail, crois-moi. Alors du coup, celui-là, c'est lequel de niveau ferme Robotica, d'accord. Aïe. Ah oui, il y a tout l'escalier en plus. Voilà une boule en plus. Là, vous devez dire, mais il n'y a rien de spécial à faire. Mais si. Oh, un passage secret. Bon, apparemment il n'y a pas de joyaux, pas là à vue d'œil. Et il y a la petite boule que je voyais tout en bas tout à l'heure. Du coup, je sais pas où j'en suis là. Je vais regarder vite fait. Je vais récupérer ce qu'il y a dans l'escalier. Aïe aïe. Ah, il me manque plus que 7. Fichtre, je sais pas. Et j'ai pas tellement envie de chercher. On va retourner dans les plaines automnales
Ah, il y a peut-être derrière un portail ou deux où j'ai pas regardé derrière et qu'il y a certainement un ou deux joyaux. Fort probablement. Non, là je vais finir un niveau. Lequel, je sais pas. Ah bah tiens, l'oasis ombragée, ça me semble une bonne option, puisque je crois que c'est le plus proche de là où je suis. Même pas. Mais je suis certain de pouvoir le finir rapidement. Il reste vraiment plus grand chose en plus dans ce niveau-là. Alors que dans Colline de Faille, c'est pas que c'est compliqué, mais ça risque d'être un peu lent. Et j'ai pas envie de faire traîner cette vidéo en longueur. J'aimerais finir sur une note de PGMisme. Parce que je trouve que j'ai quand même vachement miséré contre Gulp, alors qu'il n'est pas extrêmement compliqué, hein, loin de là. Enfin, en soi, le boss, c'est pas compliqué, hein, honnêtement, mais je sais pas. Oh non, faut que je me rattrape tout ça. Spiro. Allez, démerde-toi, j'ai d'autres chats à fouetter. Toi, tu meurs. Toi aussi. Toi aussi. Je rêve où il a disparu. Ah merde! Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Alors déjà le pan. Pan. Double kill. Double kill. Ce boulet. Oula. T'es un peu trop ambitieux sur ce coup-là, j'avoue. Ah mais vous m'enquiquinez tous. J'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Pardon. Petit pétage de plomb. Voilà, comme ça lui il est content. Spiro, trois voleurs nous ont dérobé nos... Oh non, je leur fais pas. Pour la gloire, mais mes fesses, hein, quand même. J'ai vu qu'il y avait un pan. Hop là, on va récupérer un peu de vie. Oh, mais c'est qui va me taper sur le système, celui-là? Bon, pas que ça à faire. D'accord, on va essayer encore. Bon, tous les joyaux, il restait plus que ça. Et là, maintenant... Mes huit frères ont été enfermés dans un rocher, et ils vont périr dans la lave si tu ne les délivres pas. Charge de front les rochers en sautant, et en appuyant sur la touche triangle. Puis... Suis-moi, et n'oublie pas, pour charger de front, saute et appuie sur la touche triangle. J'ai une grande famille, et pourtant tu as réussi à tous les sauver. Prends ceci, je n'ai plus la force de le porter.
T'arrives plus à porter tes boules, mec? Bon, en tout cas, c'est un niveau rempli avec succès. Et on va s'arrêter là-dessus. Du coup, durant la prochaine vidéo, je vais certainement, fort probablement, m'atteler au circuit, parce qu'il y en a deux ici. Oui, il y a celui qui est là, où est Vivi. Il y a un circuit là-bas, il y a un circuit près du niveau Zephyr. Et si je dis pas de B. Et après, dans les choses que je devrais finir d'accomplir, il y a le niveau Colline de Faille. Dans lequel il me reste deux boules à récupérer. Je sais parfaitement où ça se trouve. Et il faudra que je vérifie au niveau des gemmes, enfin des joyaux. Je ne sais plus si j'avais tout complété. Oui, il ne reste plus que les boules. Donc ça devrait le faire. Bon mes gens, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et désolé si j'ai miséré comme pas possible sur Gulp. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu perdre une vie. Non mais je voulais faire durer un peu le plaisir parce que j'aime bien la musique de combat contre ce boss. Mais bon. Non, ne fuyez pas les moutons. Ben voilà, c'est l'occasion de récupérer une vie. Et puis voilà. Bon, merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut !